Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul. J'ai fait plein de petites découvertes, de petits achats de ci, de là, concernant du matériel de coloriage. Donc je vais commencer tout de suite avec ce rangement que j'ai acheté à Stokomanie pour 3 euros. Donc c'est un rangement couvert et à l'intérieur je mets en fait mes Posca et mes funliners blancs et noirs. Tout ce qui est blanc et noir et Posca en haut. Voilà, donc tout mon petit matériel que je mets sur une petite table à côté de mon bureau. Comme ça prend pas de place sur le bureau. Et j'ai également pris un set de pinceaux de toute taille. Comme ça, j'ai toutes les tailles différentes. Et ça m'a coûté 69 centimes. Voilà, j'ai toujours des pinceaux qui partent en cacahuète et où c'est assez compliqué de... Comment dire? Ben, de les garder avec une forme nickel. Moi, j'ai les poils qui partent dans tous les sens. Je suis allée à Dalbe, à Grenoble. Donc, c'était ma première fois, ma première virée dans un magasin Dalbe. Et j'ai donc pris trois crayons Albrecht Dürer au pifomètre. Quand je suis allée à Dalbe, j'avais pas mes nuanciers avec moi. J'ai pris au pif, vraiment. Donc, ce qui est cool, c'est que je n'en possède aucun. Sauf que juste le Crimson, donc celui du haut, je l'ai déjà en version Goldfaber Aqua. Donc j'ai fait le swatch. C'est pas tout à fait les mêmes, mais sincèrement c'est le même type de couleur. Donc bon bah tant pis. Mais les deux autres je ne les ai pas. Donc c'est alors ils ont des noms bizarres. C'est le Caput Mortum et le Caput Mortum Violet. Donc ces deux là je ne les ai pas. Ils sont pas dans la gamme Goldfaber Aqua. Donc ça me complète ma collection. Donc j'ai trois nouveaux Albrecht Dürer pour compléter ma gamme de Goldfaber Aqua que je possède en entier. J'ai pris ensuite deux Neocolor 2. Donc moi j'ai la boîte de 30 et j'en ai un à côté et je crois que je me suis trompée. Je crois que j'ai pris celui-ci en double, le Cher. Et j'ai pris le Olive Foncé. Pareil, je crois que je l'ai déjà. En lisant les noms, je sais pas. Je sais pas, je les ai peut-être déjà, tant pis, c'est pas grave. Et enfin, à Dalbe, j'ai trouvé un pinceau à réservoir d'eau qui était pas très cher. Je l'ai pris en taille L pour avoir une mine assez grosse parce qu'il m'en manque. Et ouais, vraiment les pinceaux à réservoir d'eau, j'adore ça, je suis une fan inconditionnelle. J'utilise tout le temps ça en live. J'ai pris de la marque Artiste. J'adore ceux qui ont les bouchons verts et là j'ai voulu tester comme c'était nouveau. Et ils ont des, comment dire, ils ont des palettes railleurs métallisées, des palettes d'aquarelle railleurs métallisées. Elles étaient pas mal, mais elles étaient assez chères, genre 18 euros. Et je me suis dit, bon, avec tout ce que j'ai en fait de action, ça valait pas le coup. Mais ils ont des petits trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Et j'ai trouvé, notamment en aquarelle, et là par contre j'ai craqué, il y avait des pannes d'aquarelle individuelles de la marque White Nights et j'ai pris le May Green. Donc c'est un vert clair comme sur le packaging et j'ai déjà l'aquarelle Sonnet que m'avait offert Eleis et je me suis dit que ça pourrait compléter ma collection d'aquarelles, surtout en vert. J'avais pas de vert clair comme ça même dans mes autres palettes. Et vous savez, mes godets individuels, je les mets dans un rangement comme ceci à crayon. Et je colle mes godets avec de la pâte à fixe. Et ça me fait ma palette d'aquarelle comme ça maison. Celui-ci rejoindra la petite collection. Et ça me complétera mes gammes d'aquarelles. Donc c'est tout pour Dalbe. Je vais passer justement à cette palette là. Donc j'ai rajouté toute cette gamme en bas. En fait ce sont des aquarelles artisanales que m'a envoyé Eudria et c'est elle qui les a faites. Donc elle en a, je sais pas vraiment avec quel matériel elle les a faites. Je sais qu'il y en a avec du brochot et il y en a, je crois que c'est de la poudre mica, elle m'a dit. Et notamment les deux là, les deux premiers, on dirait c'est des copier-coller, on dirait de Van Gogh Interférence. J'ai fait les swatchs et c'est vraiment les mêmes. Donc c'est des aquarelles qui changent de couleur en fonction de la lumière, c'est trop joli. Là c'est des aquarelles classiques mais hyper pigmentées je trouve. Les deux là c'est des nacrés et les trois là c'est classique aussi. Donc j'ai un peu de tout. Donc c'est cool, je vais tester ces aquarelles
artisanale dans mes coloriages et je vous en reparlerai et je lui ferai un retour aussi, je les utiliserai en live de temps en temps. Je suis trop contente de tester des aquarelles faites main, je suis trop ravie. Et malheureusement à Dalbe il n'y avait pas les gammes de Van Gogh Crépuscule, sinon j'aurais complété ma gamme. Ici prochainement, dès que je les trouve, il y aura les crépuscules de Van Gogh en aquarelle. Et la première rangée, vous les connaissez déjà très bien, c'est mes palettes, c'est mes aquarelles d'AliExpress. Qui sont, mais c'est les plus belles que je possède. Vous voyez ces teintes, ça, vous avez les liens dans mes vidéos précédentes. Donc ouais, cette petite palette, elle se complète au fur et à mesure. Et j'ai le petit catalogue de Dalbe. Et s'il y a des choses intéressantes, je vous en parlerai en live sans aucun problème. Ensuite, j'avais eu... j'ai oublié de vous parler justement. Eudria m'a également offert, je suis trop contente, elle m'a offert en plus de l'humocolore permanent. Donc ce sont des crayons blancs que j'aime énormément pour rajouter du blanc quand on a oublié d'en mettre, pour vraiment que ce soit hyper pétant, ça se voit beaucoup. Voilà, je prends les Staedtler quand je veux vraiment que ça soit hyper voyant. Et ils sont très gras, ils fonctionnent super bien sur du crayon de couleur. C'est le top. Donc j'adore ces crayons. Celui que j'ai en ce moment en cours, il doit être grand comme ça, sans vous mentir. Donc je suis trop contente d'en avoir deux à l'unité. Ils sont assez compliqués à trouver à l'unité. Vous les trouvez à l'unité à Rougy et Play. Moi j'en ai pas. Il n'y en a pas non plus à Grenoble. Il n'y a pas non plus de Géant des Beaux-Arts à Grenoble. Il n'y a qu'un Dalbe. Et il n'y en a pas, enfin j'ai regardé, j'ai peut-être mal regardé, mais il n'y en a pas. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder s'il y avait des Faber-Castell, j'ai oublié. Mais ouais, donc trop contente. Et on va continuer avec une commande Cdiscount. Donc en fait, je ne vous recommande pas du tout ce site pour commander du matériel d'art. Ça vaut pas le coup, mais du tout. C'est hyper cher. Et genre, ce que j'ai pris, ça vaut 10 euros. Hein. Sincèrement, ça vaut 10 euros ailleurs, mais chez eux, ça double le prix, voire ça triple. J'ai acheté sur Cdiscount parce qu'en fait, ils m'avaient offert un bon d'achat de 20 euros sans minimum d'achat. J'ai tout fait pour que ma commande ne me coûte pas beaucoup plus que 20 euros. Donc, ça m'a fait 3 euros, ce que je vais vous montrer. Mais ça en vaut 10, ça n'en vaut pas 20. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a coûté que 3 euros, ça vaut le coup quand même. Donc je me suis pris déjà des rechanges de mine de Posca PC1M. Donc c'est celle en plastique. Comme ça j'en ai pris deux paquets. Donc c'est pour réactiver mes Posca qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc comme ça pour changer les mines. Et j'en avais déjà acheté il y a un petit moment déjà. J'ai dû vous le montrer dans une vidéo précédente à Cultura en un peu plus grosse mine comme ça. Donc les premières c'était pour les PC1M et celle-là c'est marqué PCR5. Je sais pas si c'est pour les PC. C'est marqué PC5M. J'ai un doute. Ouais si c'est ça, les PC5M. Donc je me suis trompée. Voilà, je me suis trompée, je voulais pour des PC3M. Mais c'est pas grave, hein, je rachèterai. Il y en a à Cultura normalement. J'ai pris ensuite sur ces discounts, sans faire exprès, j'ai pris un Stabilo 0.88 en fineliner vert. Je pensais que c'était un feutre normal et en fait c'est un fineliner, donc je suis un tout petit peu déçue. Je croyais que c'était un 0.68 et voilà, j'ai avec les photos et tout, c'était pas évident. Bon bah tant pis, je me suis un peu trompée, c'est pas grave, ça écrira quand même. J'ai pris ensuite deux trucs super intéressants aussi. J'ai pris un Posca vert pomme, donc en PC3M. Donc je ne l'ai pas cette couleur. Je vais vous montrer. J'ai le vert normal. Vous voyez, c'est pas la même teinte, un vert clair. Et celui-ci a beaucoup plus de orangé, de jaune à l'intérieur. Et pour les paysages, ce sera le top. Pour les paysages, les feuilles. Donc je suis trop contente, j'ai trouvé ce Posca pour compléter ma collection. Et enfin, pareil, hyper contente, c'était Momo qui m'en avait parlé, je crois, en tout premier. C'était Didi qui me l'avait rappelé, sinon j'avais complètement oublié. J'ai trouvé ce crayon blanc de chez Faber-Castell, glace métal plastique.
Et ben, je suis trop contente. C'est pareil, un crayon blanc qui va faire du blanc aussi, un peu comme tout crayon blanc, mais il va être moins pétant que le Lumocolor permanent. Donc je suis trop contente de pas avoir au final la même chose, parce que voilà, si je veux un effet plus doux, je prends le Faber-Castell, et si je veux quelque chose de hyper voyant, je prends le Lumocolor permanent. Donc voilà, c'est le même style de crayon, sauf qu'il est un peu moins gras et il fonctionne bien. Je l'ai testé sur un Kincaid que j'avais déjà colorié, hein. J'en ai pas fait, hein. C'était un Kincaid qui datait de super longtemps, c'était juste pour tester, j'avais ce bouquin là sous la main, et ça rajoute un petit reflet blanc, c'est le top, hein. Donc ça, je vous conseille. Je crois qu'il existe, alors le mien est rond, mais enfin voilà, il est bien lisse en fait, rond comme ça, mais je crois qu'il existe en hexagonale, et je sais pas si c'est un nouveau packaging ou si le résultat est différent, je ne sais pas du tout, donc n'hésitez pas à me dire. Et enfin, on va terminer cette vidéo par mes achats actions. Je suis trop contente de mes trouvailles. Donc, j'ai tout d'abord craqué pour ce carnet de papier, de gommettes, de stickers, tout pour faire des choses créatives. Voilà. Donc, il y a même des coloriages à la fin, des trucs à découper pour faire des cartes ou pour faire des cadeaux. Voilà, moi je ferai pas plus que ça, et j'aime bien du découpage collage, j'en fais même bien avant que j'ai découvert le coloriage. Depuis toujours je fais des petites cartes à offrir quand j'envoie du courrier, je les garde pas. Et c'est rien d'exceptionnel, hein, mais ça me permet aussi de me détendre. Donc il y a même des papiers très grand format pliés ici, et puis il y a du papier que je pourrais éventuellement utiliser pour de l'origami. J'aimerais bien en refaire et m'acheter un livre d'origami de Harry Potter, et on en ferait en live aussi, je pense le mardi. Ensuite, j'ai trouvé des sets de peinture acrylique. Alors moi, vous savez, j'adore ce genre de peinture, et là, j'ai pris la néon. Alors je crois qu'elle existait déjà, mais sous un autre packaging. Sous les anciens packaging, je dois avoir les métalliques, non pas les métalliques, les pailletés, je crois. Et il me semble que sous les anciens packaging, ils en avaient déjà fait. Donc j'ai voulu prendre, voir ce que ça donne, les néons. Donc en teinte vert, bleu, violet et rose, orange, jaune. Voilà, je vais tester. J'ai pas encore fait les swatchs de celle-ci. Et j'ai trouvé la même chose, la même collection en teinte pastel. Donc pareil. Je verrai ce que ça donne. J'aimerais bien faire pas mal de colos dans le Cute and Creepy. Et j'ai vu Didi Willingham faire des fonds à la peinture acrylique. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude, ça doit faire la 100e fois que je vous le dis. Mais je me suis dit, avec ces couleurs-là, j'ai jamais osé. Bah, c'est vrai que j'en avais pas. Et ben, j'oserais bien, dans le Cute and Creepy, apporter un peu de mignonnerie avec ces teintes de peinture. On va rester dans la peinture, et j'ai acheté les Pearl Paint acrylique. Donc c'est de la marque Avec, hein, comme les autres. Donc ça marche beaucoup mieux sur du noir, j'ai testé. Mais en fait on voit juste les paillettes, et sur le blanc ça se voit pas du tout. Donc si vous voulez les utiliser même en aplat de couleur, ça se voit beaucoup moins que les aquarelles interférences de Van Gogh que moi j'utilise, hein, en aplat de couleur, même sur du blanc ça fait un reflet, mais alors ça se voit pas du tout. Donc c'est pas grave, je les utiliserai sur un fond coloré, sur un fond noir, ça me servira toujours à rajouter de la brillance. Ensuite j'ai testé alors ça, le Writing Toolset Black and White, toujours de la marque Avec, et vous avez des crayons blancs, un fineliner noir, un fineliner blanc. C'est pas pigmenté, je suis un peu déçue, c'est pas pigmenté. Je l'ai quand même utilisé la pointe brush comme ça dans un coloriage avec des méduses sur une base d'aquarelle noire. Donc au début tu l'appliques, ça fait transparent, et au fur et à mesure que le produit sèche, ça devient un tout petit peu blanc. Donc c'est très discret. Comparé à ça, c'est hyper discret. Donc d'un côté, j'ai envie de vous dire, ben tant mieux, c'est différent de ce que je possède déjà. Mais ce sera par exemple quand je voudrais vraiment quelque chose de très flou, de très diffus et qui se devine à peine. Voilà. Donc un tout petit peu déçu, j'en avais acheté deux paquets. Les autres, ils sont dans mon bac juste ici.
Voilà, moi c'est pas quelque chose que je vous recommanderais, mais vous pouvez quand même tester, ça vaut pas cher, hein. C'est Action, donc on peut toujours se faire plaisir à Action, j'adore ce magasin pour ça. J'ai craqué pour un set de calligraphie parce que à l'intérieur j'ai vu qu'il y avait des feutres comme ça, vous savez que je les adore, j'ai une petite collection, j'ai les deux sets en fait, hein, de feutres qui sont, on dirait les Tombow. Donc là, j'ai trois couleurs. Je ne sais pas du tout si je les possède déjà. Et au pire, ben, je les ai en double. Donc c'est un double embout et c'est des feutres aquarellables. J'adore les pointes comme ça. Et j'utilise la petite palette qui était dans les autres sets. Je mets le feutre sur la petite palette et j'aquarelle. Et donc ça, vous l'avez déjà vu. Je l'avais déjà utilisé ce genre de matériel dans des colos. Avec, il y a le fameux petit crayon à papier que j'ai déjà en plein d'exemplaires. Des fanliners toujours très utiles. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Un brush marqueur. Donc ça doit être un brush marqueur noir classique. Donc je ne dois pas l'en voir en noir. Donc je suis très contente. Je pourrais l'aquareller aussi si je veux un fond noir. Et ceci, c'est un blending pen. Donc c'est un feutre transparent. Donc je ne sais pas trop comment l'utiliser. Je ne sais pas trop. Puis je pense qu'il est même un petit peu sec. Et j'ai une gomme. Donc la gomme, par contre, c'est une vraie gomme. C'est pas la gomme toute bizarre qu'il y avait dans les brushes, dans les autres sets avec les brushes marqueurs, qui était trop bizarre. Celle-ci, c'est une... Je crois que c'est une Dust Free, mais elle est vraiment pas mal la gomme, je suis très contente. Donc avec, je crois qu'il y a des petites explications derrière. Je vais soulever, je vais vous dire ça, je n'ai même pas vu. Ah, ben il y a un pas, il y a un carnet, j'avais même pas vu. Il y a 20 feuilles avec des lignes, des points. Et puis des petites vagues. Ah, c'est pas mal! Bah pour tester tout ça, c'est cool. Voilà, avec le petit carnet. C'est vachement bien ce petit truc. Et puis pour offrir, si vous avez un petit budget, je trouve que c'est vachement sympa. Pareil pour les brushes, les sets de brush marqueurs à offrir, j'aime bien. Mais là, c'est vrai que ça vient dans une boîte, c'est très joli. J'ai ensuite craqué pour d'autres sets de brush marqueurs. Donc j'ai craqué pour ce set toujours de la marque Avec, en teinte rouge et rose. J'ai déjà le vert. J'aime plutôt bien. Attention, ça doit traverser les pages, donc attention à pas les mettre dans les livres de colo mais sur des PDF. Mais j'aime bien, j'ai bien aimé les verts, donc je pense que ceux-là je vais bien les aimer. Il y a juste les fanliners que je sais pas trop quoi en faire, mais au moins les quatre autres couleurs, c'est limite des brush marqueurs. Donc voilà, donc je les utiliserai comme les dupes des Tombow. J'ai pris ensuite un set de Metallic Brush Pen bleu. J'ai utilisé un brush pen d'une ancienne collection de chez Action et il n'a pas duré longtemps. Donc je crois que j'arrêterai d'en acheter des Metallic Brush Pen. Ouais, j'ai pris bleu parce que c'est ma couleur préférée. J'ai pris également des Metallic marqueurs. Donc c'est des fanliners métalliques. Donc il y a ces teintes-là. Écoutez, déçu. Déçu, déçu, déçu. Ouais, il y a des brush tips. Il n'y a pas que des... Je me suis trompée, il y a des points de brush aussi. Mais je me souviens les avoir testés, en avoir été déçue. Maintenant, il faut que je les utilise dans un coloriage pour vraiment en avoir le cœur net. Voilà. J'ai trouvé, trop contente, des jolis pinceaux pour... Donc, ce n'est pas des pinceaux à maquillage, quand bien même on aurait l'impression. Mais c'est vraiment des pinceaux pour l'art avec des paillettes. Voilà, donc un set de 7 pinceaux. Et je voulais surtout un pinceau éventail parce que j'en ai un de chez Action qui date, mais il y a des années-lumière en arrière et il n'en peut plus. Je l'ai tellement utilisé pour des puits d'étoiles. C'est plus un éventail, c'est un balai de sorcière le truc. Vraiment, il ressemble plus à rien. Et donc là, il m'a l'air bien. Les poils m'ont l'air droit et tout. Donc je vais utiliser des pinceaux comme ça, un peu de meilleure qualité. J'ai enfin trouvé un truc que j'ai cherché depuis hyper longtemps, c'est des cartes de Diamond Painting, des cartes d'anniversaire. Donc je suis trop contente et je crois qu'il y a tous ces motifs-là dedans, je suis pas sûre. Donc il y a les enveloppes avec trop contente. Donc le DP, moi vous savez, j'en ai déjà fait, mais ça me prend beaucoup trop de temps par rapport au coloriage. Donc je préfère faire des petites créations en DP.
Je vais, dès que j'en trouve à Action, j'en prendrai de temps en temps. De là à commander sur des sites spécialisés pour l'instant, non, mais voilà, commencer avec le petit matériel de chez Action, je suis trop trop contente. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je me suis pris cet air spray. Donc c'est une machine qui va nous permettre, donc il va falloir mettre de l'encre par là. Et ça va nous permettre de faire un effet en pointillé, un effet de splash. Donc soit avec des pochoirs, soit sans pochoirs. Et vraiment à tester. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. À l'intérieur, j'espère que ben, y a tout le matériel pour faire de jolies créations. On va l'ouvrir ensemble. À l'intérieur, il y a donc ceci. Alors, une notice. Donc, les instructions, méthode de travail. OK. Il y a d'autres instructions. La suite. Des pochoirs. Donc, ça, c'est super cool. Parce que moi, des pochoirs, j'en ai jamais assez. Je sais pas si on les voit bien, les pochoirs. Donc, joyeux anniversaire. Get well soon. C'est ça? J'arrive plus trop à lire. Des remerciements, des petits oiseaux avec des branches, des petites arabesques, des petits cœurs. Bon ben écoute, c'est pas mal. Après moi, des pochoirs, j'en ai d'autres aussi. L'appareil, il est là. Ok. Donc là, on a l'appareil. Il fonctionne à pile. Ouais, il faudrait une pile normale, une pile AA. Oups, j'ai fait tomber le truc. Et enfin, les feutres. Les feutres. On spray des feutres. Ok. Donc, ça doit être ça. Ça doit être ça qu'on spray. Je sais pas trop comment ça marche. Mais écoutez, j'essaierai ça avec grand plaisir. Et on en reparlera en live. Et si je les utilise dans des coloriages, je vous en reparlerai également dans mes colos de chaque fin de mois, comme d'habitude. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez fait vous aussi de belles trouvailles. Si vous en avez fait, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très vite, comme d'habitude, en live sur Twitch. Des gros bisous, ciao !